Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Guylaine Desjardins et Lynn Larocque qui ont travaillé avec moi avec un projet interdisciplinaire en lien avec Mission Science. On a travaillé ensemble aussi avec Sarah Chartrand qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est en congé de maternité, mais elle a travaillé avec nous aussi sur le projet. Donc, elles sont ici pour nous parler de ce qu'elles ont vécu avec ce projet-là. Donc, je vais commencer avec toi, Guylaine. Comment la collaboration entre les enseignantes t'ont aidé cette année, autant avec ce projet-là co-virtuel? Alors, c'est certain qu'au mode virtuel, hein, ça comprend ses défis. Et puis, un des défis, c'est on est toute seule. Donc, les échanges avec l'équipe extraordinaire avec laquelle j'ai eu la chance de travailler à ce projet-là, Anne, Lynn et Sarah, ça a été vraiment extrêmement profitable. C'est certain qu'on a pu, ça m'a permis d'échanger sur les défis que comportait ce projet-là. Ça nous a permis aussi, ça me permettait aussi de me situer dans le temps parce que moi, de mon côté, j'avançais dans ce projet-là. Mais tu sais, on se demande tout le temps, OK, c'est-tu correct, c'est pas correct. Ça nous permettait d'échanger sur nos inquiétudes, sur nos doutes, parce que on doute tout le temps, on n'est jamais certain de nous-mêmes. Puis la collaboration avec Anne, c'était vraiment, vraiment, vraiment essentiel parce que ça nous permettait tu nous as appuyé dans tout ça, tu répondais à nos questions, que ce soit par rapport aux différents logiciels avec lesquels on n'était peut-être pas nécessairement super familière. C'était vraiment super important. Au mode virtuel, il n'y en a pas de petites discussions dans le corridor. C'était vraiment essentiel ces échanges-là, puis ces discussions, puis c'est ce qui a fait que le projet a si bien fonctionné, puis que ça a été un si grand succès, les échanges qu'on a pu avoir entre nous. Merci, Guylaine. Hein? C'est vrai, vraiment, là, ça nous permettait de faire des mises au point, nos petites rencontres, puis nos rencontres de corridor, hein, comme tu dis, là, ça nous a fait du bien, donc pendant ce projet-là. Puis toi, Lynn, comment ce projet-là t'a permis d'aborder des enjeux environnementaux et sociaux et l'impact que ça a eu sur tes élèves pour qu'ils réalisent leur impact sur le monde? Bien, le défi du projet, c'était vraiment de prévenir la pollution. Et puis, au travers du projet, c'est de ça qu'on a parlé. Comment est-ce qu'on peut prévenir, recycler davantage, etc. Mais hein, plusieurs des activités dans le projet ont vraiment sensibilisé les élèves au fait que c'est urgent, qu'ils doivent eux aussi faire leur part. Donc, je pense surtout là aux vidéos plastiques sur l'océan. Quand ils ont vu la vidéo là, ils ont vraiment, on a eu des très belles discussions après, puis j'ai vu un changement chez les élèves de vouloir changer leurs habitudes pour améliorer là, comment ils vont utiliser les plastiques, les utiliser moins, numéro un, mais aussi après qu'ils les ont utilisés, s'assurer de les mettre au bon endroit. L'autre activité sur les sites d'enfouissement, ça aussi, ça les a vraiment touchés de voir que c'est un site d'enfouissement, puis de voir l'impact environnemental de ces sites-là. Et puis, ça les a encouragés là, à vouloir utiliser moins de produits qui font des déchets, donc le suremballage et toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on met trop aux poubelles. Et puis, j'ai même eu des élèves qui ont dit, ben nous, à la maison, on n'utilisait pas vraiment notre bac de recyclage, mais maintenant, madame, on va l'utiliser, puis je vais faire certain que je mets mon plastique au recyclage. Donc ça, déjà, même si on a touché juste un élève pour faire un changement comme ça dans sa famille, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y avait certaines lectures aussi qui les ont interpellées beaucoup. Là, je pense à Tonnes de déchets qui parlait des téléphones cellulaires.
et qu'il y en a 5 millions par jour qui sont jetés aux poubelles. Et puis que les gens, quand ils en achètent un neuf, ils les utilisent pour 3 ans maximum avant d'en s'en acheter un nouveau. Puis tous les élèves, ils ont tout fait 5 millions! Comme ils ont vraiment, ça les a vraiment touchés. Puis il y en a qui m'ont partagé que, ah ben moi, j'en ai jamais acheté un, mais mon grand-père m'a donné le sien, son vieux qui fonctionne encore. Donc je sais que mon grand-père ne l'a pas jeté aux poubelles. Puis, donc, c'était des beaux partages comme ça de qu'est-ce qu'on peut faire après avec notre cellulaire qu'on n'utilise plus? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va le mettre aux poubelles? Ou est-ce que... Bien là, ils ont dit non, madame, il y a des déchets toxiques, parce que dans la lecture, ça nous en parle, les piles sont toxiques et certains matériaux, c'est toxique. Donc, ils ont trouvé des belles solutions. Ils ont dit, bien, je vais faire comme mon grand-père, je vais le donner à quelqu'un qui en a besoin. C'était vraiment bien. Ils ont voulu se prendre en charge. Là. J'ai vu des changements dans le comportement d'un de mes élèves qui a dit qu'ils vont commencer à recycler parce qu'ils ne recyclaient pas avant. Donc ça, c'était déjà un gros wow. Là. C'est déjà une grosse prise en charge. Et puis, je pense que les élèves, je sais. Ils m'ont dit que quand on leur demande est-ce que ça vaut la peine de faire notre part, parce qu'on sait qu'il y a des millions et des millions de personnes dans le monde qui produisent des déchets. Est-ce qu'une personne peut faire un changement? Est-ce que ça va changer quelque chose si une personne fait des efforts? Puis, ils ont dit, ben oui, madame. Et pourquoi? Ben parce que si moi, je le fais, ben mes amis vont peut-être le faire, ma famille va le faire, les gens qui me voient le faire vont me demander. Alors, ça se répand, et ça va se répandre, ça n'arrête pas juste à une personne quand une personne le fait. Donc, moi, j'ai trouvé que les échanges étaient très riches, avec des bons avis là, de leur part, des bons exemples de comment est-ce qu'on va faire pour améliorer ça, puis pourquoi c'est important. Donc, je pense que pour ce défi-là, là, de prévenir la pollution, je pense que c'est réussi. Ça a vraiment été comme un choc pour eux de voir ces films-là, puis de lire ces informations-là. Ça les a comme ébranlés. Puis on dit, oh, il faut faire quelque chose. Donc, super. C'est vraiment, ouais, c'était vraiment bien pour ça. Dans l'effet des pairs, là, donc ça a tout un effet. Donc, oh, oui. Dans la même veine d'idée, Lynn, comment est-ce que tu as amené les élèves à innover puis à utiliser leur créativité avec ce projet interdisciplinaire-là? OK. Bien, premièrement, pour l'interdisciplinarité, on avait beaucoup de choses en français, en anglais. Il y avait le côté art aussi. Et puis, on a demandé aux élèves de faire des expériences à la maison. Ces expériences-là, dans un milieu scolaire, les matériaux sont tous fournis habituellement. Et puis, ils vont travailler en groupe. Donc, souvent, il y a un leader dans le groupe qui va faire l'expérience, puis les autres regardent ou font autre chose, s'amusent. Ou souvent, hein, c'est ça. Le prof va se promener, puis va les guider. Mais là, les élèves se retrouvent seuls dans leur maison. Et puis, ils ont l'expérience, ils ont la démarche à suivre, puis il faut qu'ils s'organisent, ils n'ont pas le choix. Oui, peut-être que leurs parents peuvent les aider pour certaines choses, mais c'est quand même eux qui doivent faire l'expérience. L'enseignante n'est pas là pour les aider. Ils ne sont pas en groupe en train de le faire. C'est eux qui doivent le faire. Et puis, ils se débrouillent. Donc, ça, c'est de la prise en charge. C'est de la débrouillardise. C'est enseigner des habiletés, là, qu'ils n'auraient pas eu la chance d'apprendre peut-être en salle de classe. C'est vraiment se prendre en charge, aller chercher mon matériel. Je vais avoir besoin de ça, ça, ça. Ensuite, suivre la démarche, étape par étape. Faire une hypothèse. Habituellement, quand on fait des expériences en salle de classe, on fait l'hypothèse ensemble. Puis ensuite, on regarde la démarche en chambre, on fait tout en même temps. Puis après ça, à la fin, on fait nos observations, puis notre conclusion, etc. Mais là, c'est tous eux qui faisaient tout ça tout seuls. C'est beaucoup, moi en tout cas, je trouve que c'est beaucoup pour un enfant de 10-11 ans de suivre une démarche et de faire une expérience par lui-même, chez eux, dans sa maison.
Donc, ça, c'est une belle prise en charge. Pour la créativité, je trouve que c'est aller les chercher pour quand ils doivent trouver des solutions pour des choses. Solutionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Les exemples qu'ils ont donnés, on a fait ça oralement, là, mais les exemples qu'ils ont donnés étaient tellement riches. Et puis, j'ai pu voir là, leur créativité par les exemples qu'ils donnaient pour changer des pratiques ou pour améliorer certaines pratiques ou des choses comme ça. Et puis, il y en a même qui ont partagé des projets d'art qu'ils ont fait en utilisant des projets recyclés. En études sociales, on faisait une maquette pour la seigneurie. Puis, ils ont dit, « Ah, nous, on va utiliser juste des choses recyclées, madame. » Et puis, alors, ils ont vu l'importance là, de ne pas aller acheter des produits pour faire leur maquette, mais d'utiliser des choses qu'on avait déjà. Donc, c'est des choses comme ça où la créativité est venue. C'est d'eux. C'est pas moi qui leur dis, « OK, là, faut que tu sois créatif. » C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont participé, puis qui ont innové, puis qui ont été chercher leur propre créativité pour répondre aux défis qui leur étaient présentés. Donc, c'était vraiment, vraiment riche comme projet, puis surtout à cause qu'on a intégré les matières. Là, ça fait en sorte que le défi n'est pas juste dans la période de science. On en parle aussi en anglais, on en parle aussi en français, on en parle aussi dans les arts. Donc, c'est vraiment... puis il y a même eu une certaine chose qu'on pouvait faire en mathématiques. Donc, ils ont vécu le défi dans plusieurs des matières, même en enseignement religieux, là, pour la responsabilité citoyenne. Et, ouais. Donc, c'était vraiment bien pour ça. Excellent. Donc là, ça permet aux élèves de faire des liens entre les matières aussi, en se promenant comme ça. Merci, Lynn. Ouais. Guylaine, comment ce projet-là t'a été profitable? Mais je pense que, comme Lynn mentionnait, c'est un projet qui était tellement riche, autant pour nous, les enseignants, que pour les élèves. C'était un cadeau pour nous. Tout était là, tout était planifié, tout était organisé, tout était clair. C'était clair, net, c'était précis. C'est un projet, tu sais, la création d'une nouvelle planète, c'est un projet qui permet aux élèves, là, qui les a touchés, puis qui leur permettait de cheminer à leur rythme aussi. Un projet de discussion absolument extraordinaire d'intégration de matière, comme on a mentionné, comme Lynn l'a dit. C'était vraiment un cadeau. Je suis vraiment choyée d'avoir pu participer à, puis d'avoir cheminé avec, d'avoir eu accès à ce projet-là. C'est un projet qui nous a permis aussi d'explorer puis d'exploiter différentes plateformes, que ce soit Google Earth, que ce soit Edpuzzle, que ce soit le processus d'enquête. C'était un format facile pour nous, les enseignants, mais aussi facile pour les élèves. Tout était inclus, c'était bien fait, avec le journal scientifique, les jeux en ligne, les expériences. Donc, tu sais, c'était vraiment, tu sais, je termine ce projet-là, puis j'ai un petit peu de peine parce que je me dis, oh non, c'est fini. Puis les élèves aussi, ils ont adoré, comme Lynn disait tantôt, ils ont vraiment été touchés par ça. C'est vraiment un sujet qui les touchait, puis c'était vraiment extraordinaire. Puis il y a des heures de travail qui ont été mis à l'élaboration de ce projet-là, Anne. Puis, tu sais, je t'en remercie parce que tout était là, c'était facile, puis tu as toujours été là pour nous appuyer là-dedans. Là. Quel beau cadeau! Bien, merci beaucoup, les filles. Puis, votre présence dans ce projet-là, c'était primordial, puisque vous m'avez donné de la rétro. Hein? Quand on se rencontrait, c'était de la rétro. Comment est-ce qu'on peut modifier, ajuster ça? Il y a des choses que ce n'était pas assez clair, donc on a pu faire des modifications. Donc, c'était essentiel que vous puissiez l'essayer avec vos élèves sur le terrain. Donc, ça, je suis très contente de l'expérience avec vous. Tout le monde en sort gagnant. Quand on part d'un problème, hein, scientifique. Oui. Et on se rattache avec le vécu. On ne peut pas faire autrement qu'engager nos élèves
de cette façon-là. Donc, c'était le but, hein, de partir des sciences pour joindre les autres matières puis engager nos élèves. Donc, mission accomplie, les filles. Donc, je vous remercie d'être venu jaser avec moi dans cette petite causerie pour nous partager votre expérience. Merci à toi, Anne. Merci, merci.